quitte Batiscan à l'instant, la rivière Batiscan, il est 11h30. On avait 1,07 m dans la rivière, 6 pieds et demi environ. Et en ce moment, là, il y a à peine quelque chose comme 0,5 nœud de courant là, contre nous. Dans le fond, c'est la dernière fois où on utilise l'atlas des courants pour notre retour. Là, on a essayé de partir à une heure où on va diminuer l'effet du courant. Là. Mais dans 2 heures, tout ça n'aura plus de sens. Ça ne servira plus à rien. On va s'en servir pour les 2 prochaines heures. Après ça, fini l'atlas des courants. Nous profitons de ces longs moments à écouter la mécanique tourner pour valider les réglages des instruments ou approfondir les connaissances des paramètres avec lesquels nous sommes moins familiers, car c'est le premier été où ils sont connectés à Internet, ce qui augmente leur champ d'application. C'est un couscous midi, encore une fois, le repas des vacances. Tiens, notre 4 nœuds de vitesse moyenne. Il est 14h et nous arrivons à la hauteur du port de Bécancour. Ça va bien. On a réussi à conserver les 4 nœuds de vitesse moyenne dans les deux premières heures de navigation. Et là, ça tourne plus autour du 3,5-3,6 nœuds. Et là, il n'y a plus rien à faire. À partir d'ici, là, jusqu'à Trois-Rivières. Donc, voilà. Cargo pour Adar. Une grosse tâche à rendre. Les bouées passent vraiment pas vite à 3,5 nœuds. On a le temps de faire du tourisme. Le premier bras de la Saint-Maurice, enfin. 2,2 nœuds sur le fond pour l'entrée et l'arrivée à Trois-Rivières. J'aime un peu moins les Trois-Rivières. C'était plus fun d'arriver en descendant. Monter à Trois-Rivières, là,
2,2 nœuds. C'est peut-être psychologique, là. Mais quand tu regardes les trucs, là, ça avance pas vite. Mais comme on est habitué de faire du 7, 7,5, 8, 12. 12 dans la traverse Saint-Roch, les bouées passées. Wouhou! Là, c'est long un peu. Finalement ancré dans la Saint-Maurice à Trois-Rivières. On n'a pas fait de voile. Je voulais faire une petite heure de voile avant de rentrer dans la rivière, mais on a eu une petite complication de moteur. On s'est rendu compte là, qu'il y avait, il y avait une vibration qui était anormale. Et puis on avait la moitié du débit d'eau pour l'entrée du moteur. Peut-être des herbes qui étaient collées, qui étaient siphonnées dans la crépine. Là, il y avait énormément de débris aujourd'hui. Ça a été c'est assez incroyable. On essayait de les éviter, mais il y avait beaucoup de gazon flottant. Tout investigué, puis tout était beau. On a reconnecté ça. Merci, bonsoir. Voilà. Donc finalement, on va essayer de passer la fin de semaine ici. C'est dommage, c'est une fin de semaine. Yeah. C'est plein de monde. C'est ça. Il y a des choses qu'on contrôle pas, et puis... Mais notre voyage là, tire à sa fin. Après, la prochaine étape, c'est Sorel. Puis commencer à remonter la Richelieu. Donc, c'est comme ça. Nous sommes ancrés dans 2 mètres d'eau. Ben, évidemment, on n'a pas mis grand-chose. On n'a pas déroulé grand-chose. 2 mètres. Je me suis organisé à ce moment-là pour mettre un cordage. Pour pas que la chaîne fasse du bruit cette nuit. Parle plus fort, t'entends pas. Je m'attendais à ce que Trois-Rivières soit difficile. Je ne m'étais pas imaginé que ça allait être difficile à ce point. Un dur retour à la réalité. Arrête de danser! Philosophie, bateau moteur. Civilisation. On était pas mal mieux à Tadoussac. Eh oui, jusqu'à 3h et quelques du matin. Prochaine étape, Sorel. En attendant qu'on arrive un peu avant le souper, s'assurer qu'il n'y a pas trop de monde à l'ancrage. Bon, on a nos filets de porc pour se consoler.